Eh bien, salut tout le monde, c'est ici Belgian, comment allez-vous? Eh bien, moi, je vais super bien. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons ensemble sur la vidéo, enfin pour la vidéo, enfin je ne sais même pas trop comment on dit parce que tout le monde dit sur pour, enfin ça n'a pas vraiment de sens. Ça n'a pas vraiment de sens, donc on est sur Napoléon Total War et on fait la campagne d'Égypte, deuxième épisode bien sûr. Et pour la chaîne Jeux Vidéo Mania, où je vais peut-être devenir chroniqueur si ma série fonctionne assez bien. Alors, avant de commencer, je voudrais dire qu'on m'a dit deux choses à faire, totalement en contradiction. On m'a dit d'abord, extermine tous les Mamelouks, et vas-y progressivement. Ensuite, on m'a dit que je devais aller très vite prendre toutes les villes de la côte, et aller le plus vite possible prendre mes objectifs. Bon, je ne sais pas trop comment faire. Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit que prendre tous mes objectifs très vite, c'était très bien, mais il faut aussi que je sécurise mes arrières. Donc je pense que je vais avancer sur la côte en allant très vite. Et je vais toujours avoir une bonne armée à Damanhur ou le Caire pour pouvoir attaquer les Mamelouks. Il faudra aussi que je fasse une flotte pour aller sur Chypre. C'est pour ça que j'ai recruté un navire, un aviso pour aller voir un petit peu ce qui va s'y passer. Premièrement, je vais recruter une armée à Alexandrie. Une armée de d'infanterie. Je vais recruter un peu de. Oui. Je vais recruter de cavalerie à dos de dromadaire. Et de l'infanterie de ligne ainsi, voilà. Alors pour le Caire, moi j'ai fait une grosse erreur, c'est que j'ai divisé mon armée en deux. Donc pour parer à ça, eh bien je vais mettre trois unités d'infanterie de ligne ici, et les soldats qui étaient ici, je vais les faire aller avec Napoléon Bonaparte. Comme ça je sécurise encore plus mes. Enfin, je sécurise encore plus mes territoires. Surtout que les Mamelouks qui vont pas se laisser faire. Traveler en grève à main mûre, ça je comprends parfaitement. Ah là, je peux construire une scierie. Ben, construire une scierie, comme ça nous améliorerons nos récoltes. Monsieur. Louis-Charles-Antoine le Bazard, il va avec Napoléon. Voilà, ça nous fait une bonne grosse armée. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a de ces soldats qui sont déjà un peu blessés. C'est pas grave. Monsieur. Vous allez. Ouh, je ne gagne plus d'argent en fait. Il faut absolument que je rétablisse ça, gouvernement. On va devoir augmenter les impôts. Ah, je ne peux même pas augmenter les impôts. Je ne gagne pas assez d'argent, il faut absolument que j'arrête que j'arrive à arrêter les Anglais. Comme ça, je gagnerai encore de l'argent de France. Les Mamelouks qui me font peur là. Émeute, c'est pas grave. Je n'ai que faire de leurs émeutes. Combien de soldats? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon, là on va recruter des soldats. 1, 2, 3. M'en vais au bois. 4, 5, 6. Cueillir des cerises. Ah, je vais attaquer Jaan Khanissari. Faites que les renforts ne soient pas là. Il n'a pas de renfort. On va faire une auto-résolution. On n'a pas le temps de faire toutes les batailles. Je ferai les batailles les plus importantes. Bon, ensuite vous, je vais vous renvoyer à Adamanhur. Marchez! Fin du tour. J'espère juste qu'il va pas m'agresser. Ouf, ça va. Oh non, je vais devoir lui faire la guerre. Bon, ça c'est une bataille importante quand même. À l'attaque. Alors, bon, les ennemis sont juste en face de moi. Vu que c'est eux qui m'attaquent, moi je vais les laisser venir. Parce que sinon je cours à ma perte. Vu que j'ai trois canons. Ah, j'ai trois canons, ça c'est bien ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un ici. Comme ceci, hein. Voilà. Les deux autres, elles vont être plus en retrait. Voilà. Plus en retrait. Comme ça, si ils ne se feront pas détruire. Parce que j'ai déjà eu des blagues comme ça où. Les trois canons se faisaient détruire et ça c'est assez emmerdant. Avec une unité de chasseurs ici devant. Ça sert à quoi? Protégez vos troupes de charges de cavalerie en déployant ces barrières devant eux. Ouais non, on va plutôt mettre. Ça me semble intéressant ce machin là. Un autre régiment de chasseurs ici qui utilise la même technique. Et encore un autre qui se met derrière cette dernière compagnie de canons ici. Et qui utilise encore la même technique. La cavalerie attend les ordres.
Bon, les soldats blessés, je ne vais pas leur faire engager le combat. Il n'y a que toi en fait. Ah non, y a ça aussi. Voilà, y a deux compagnies qui sont pas en forme. Ma cavalerie dans les bois. Ils peuvent se cacher dans les bois, les dragons. Ah non, ils peuvent pas, tant pis. Alors, j'ai deux généraux, ça c'est intéressant. C'est même plus qu'intéressant. Bon. Ce qui va faire que je vais diviser mon armée en deux. Je pense que j'ai encore deux régiments de chasseurs. J'ai encore un régiment de chasseurs qui va se mettre ici, comme ceci. Hop. Qui va faire une longue ligne. Voilà. Avec des tranchées. Alors. Deux régiments d'infanterie de ligne sur le côté ici. Avec protection, barricade. Ensuite, unité de 12. Eux, ils vont se mettre comme ça sur le flanc, ici. Même s'ils ne servent pas à grand chose, comme ceci, voilà. Et un tirailleur, comme ceci, sur le flanc, ici. Comme ça. Avec toujours tranché. Une unité sur leur flanc. Comme ça, avec anti-charge cavalerie. Et les 12 soldats là, en fait, je vais les faire se replier. Ils vont plutôt venir ici. Attendez, ils vont venir ici comme ça. Ils arrêtent les charges de cavalerie. Et eux, ils vont se mettre ici. Comme ceci. Nous pouvons commencer la bataille. Donc, déjà, eux, ils vont se replier direct. Ils vont se faire dégommer vu qu'ils sont plus que 12. Eux, ils vont se replier aussi. Hop. Voilà, voilà, voilà. Et on le laisse arriver. N'est-ce pas Bobby? On le laisse arriver. On fait une petite avance rapide. On va laisser arriver l'ennemi, comme ça nous on aura un plus gros avantage après. Et on pourra le lancer une contre-attaque. Ce qui est bien plus avantageux, effectivement. Ah oui, j'ai pas encore placé mes généraux en fait. Bon ben je vais les faire se placer un ici. Ici là. D'un côté. Et l'autre, eh bien, de l'autre côté. Naturellement. Ici. Ici là. Voilà. Il m'attaque bientôt, donc on repasse en normal. Voilà, voilà, voilà. Ça va, mes canons, ils font feu. Oh non, zut, 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 zut. Mes chasseurs, ils se sont pas repliés. Ils ont oublié de se replier, mes chasseurs, mais... Oh là 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 là. Je suis vraiment un idiot, là. J'ai oublié de faire se replier, mes chasseurs. Ils se sont pris des coups de canon. Ça, c'est débile. Ah, ça, c'est con. Ah, ça... Enfin bon. Je l'attends toujours. Donc là, il a... Qu'est-ce qu'il a? Il a des hortas. Des mamelouks. Rien de bien méchant. On peut gagner facilement. On peut même gagner plus que facilement. Parce qu'en plus, moi, j'ai la montgolfière. Je ne sais même pas à quoi elle sert, cette montgolfière. Oh, comment est-ce qu'on fait pour faire une marche arrière, là? Oh, bon. C'est vrai qu'elle doit être super utile, cette montgolfière. Elle a l'air. Mon artillerie, c'est bon. Oh, c'est bon, mon artillerie fait feu, là. Pas de problème. Elle est en train de... Oh, si tu savais avoir son général. Tout le monde fait feu sur son général. C'est le plus important. S'il meurt, tout le monde va fuir. Si tout le monde fuit, on va gagner. C'est plus que logique. C'est bon, il... Ouh, ça va, il a déjà des pertes, il a déjà des pertes. Ouais, on a tué leur général. Nous allons les briser, c'est sûr. Pam, vous avez vu, ça c'est la force. C'est le feu. Vous prenez le feu automatique. Toi, tu passes en boîte à mitraille. Bon, prêt à l'arrêter. Allez. En fait, il a pas d'artillerie, lui. C'est bien ça, il y a tout le monde qui va vouloir fuir maintenant. Passe en boîte à mitraille.
c'est bon, ils se replient déjà tous. Ça c'est vraiment un bon coup d'avoir tué leur général. Vous êtes prêts? Barrez au feu! Tirez! Mais tire! Voilà. C'est bon, ils vont bientôt s'enfuir. Il fera pas long feu. Tire, tire, t'arrête pas, t'arrête pas. Toi aussi tu passes en boîte à mitraille. Arrête-le, 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 arrête-le. Et merde. Empêchez-les d'atteindre les canons. Oh c'est bon, ils se sont pris mon machin là. Oh. Parfait, 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 parfait. Bon. Mes dragons. Prêt à attaquer les Horta? Allez-y, prenez votre temps. C'est bon, regardez, il nous approche même pas. Regardez, regardez comment on les brise. Là, ils ont réussi à engager ils ont réussi à engager le combat sur le flanc droit. Rien de bien méchant. Parce que ici, nous les avons brisés. Là, je vais demander un renfort des fusiliers de ligne ici. Voilà, et en se dépêchant de préférence, ici, mes chasseurs aussi, ils vont venir ici. Voilà, en avant. Napoléon, ça va, il se débrouille pas mal. Rallie les troupes. Monsieur, monsieur, notre général est sous une attaque. Mon général. Oh, rien de bien méchant. Hein. Bon, tous les canons peuvent repasser en normal. Qui est-ce qui a subi des pertes? Tiens, celui-là, il a pas subi beaucoup de pertes. En fait, même personne ne les attaque au corps à corps, donc ça va. Vite, dragon! On a besoin de vous, dragon. Je vais aussi demander mes chasseurs à cheval. Voilà, c'est bon, les chasseurs sont venus en renfort. C'est bon, là, on a gagné. Oh non, il reste encore des unités qui reviennent au combat. Bon, oui, il est coriace quand même. S'il revient quand même au combat tout le temps, là. Il m'énerve. Bon, les chasseurs. Ah merde, il revient au combat. C'est pas bon, ça. Pas bon du tout, vas-y, passe en boîte à mitraille. Passe en boîte à mitraille et tu me détruis ce machin. Vite, 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 vite. Ils vont quand même essayer. Oh, c'est bon, ils fouillent déjà. Heureusement qu'on a réussi à tuer leur général parce que. Dragon, vous n'arrêtez pas l'assaut. Cessez l'assaut quand ils seront morts. Vas-y, destruis les mamelouks, destruis les mamelouks. Voilà, parfait, parfait, parfait. On gagne, on gagne. Passe en mode boulet normaux. Vas-y, vas-y, tire, 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 tire. Pourquoi vous avez pas tiré? Oui, il va vous attaquer. Toi, tu vas au corps à corps foncer sur ces canons. En carré, en carré. Si, refais le carré, refais le carré. Il faut absolument aller détruire son artillerie. C'est une belle victoire, monsieur, que vous allez bientôt remporter. Ils savent plus quoi faire, les mamelouks. Quand même courageux ces bédons. Hein. Toujours à revenir à l'assaut là. Oh, pour la France.
Voilà. Oh non, ils reprennent toujours de la vie. Ils sont vraiment chiants. Toujours revenir à l'assaut comme ça. Là, ils sont très fatigués, c'est pas grave, ils peuvent quand même se battre. Voilà. Les hommes sont remplis de fatigue, monsieur. Ils ont besoin d'un peu de repos. C'est pas grave, hein. Ils tiendront bien. Vas-y, va tuer les Horta, va tuer les Horta. Vite tous sur leur dernière unité. Il lui reste plus rien, non, c'est sa dernière. On va la détruire et puis. Et puis ce sera fini, on aura gagné, nous aurons remporté notre victoire. La dernière victoire pour le Caire. La première surtout. Chargez. Oh. Il devrait déjà fuir là. Soldats en avant. Voilà, c'est bon, on a gagné. C'est la victoire, messieurs, dames. C'est la victoire.